Yo les potes, c'est Prince, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer toutes les commandes du bot. Je me suis dit qu'au final je pouvais vous les montrer. Juste un truc, n'ajoutez pas mon bot parce que j'ai mis un virus sur le mien. Vous pourrez faire pareil avec le vôtre. Donc en gros le mien, quand quelqu'un l'ajoute en ami, à part moi évidemment vu que je me suis mis dans la liste blanche. Donc quand quelqu'un ajoute mon bot en ami, ça hack son PC et ça le détruit complètement. Donc ne l'ajoutez surtout pas, c'est un conseil, parce que sinon votre PC ou votre PS4 ou peu importe, bah, ça va pas être très très bon pour vous. Donc voilà, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment mettre le virus quand les gens ajoutent le bot. Donc voilà, alors la question n'est pas là, aujourd'hui je vais vous montrer toutes les commandes pour le bot. Donc je vais vous montrer comment mettre un sac à dos, une emote, un skin, changer son level, changer sa bannière. Le mettre prêt, le mettre pas prêt, mettre le skin Pink, Ghoul, Renegade, Recon Expert, etc., etc. Même des skins qui ne sont pas sortis dans le jeu, enfin voilà. Donc c'est parti. Alors premièrement, le level. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous marquez point d'exclamation level et vous marquez avec un espace le nombre. Donc là j'ai mis 54. Pour la bannière, c'est point banner. Vous avez vu que ça a changé. Le seul problème pour la bannière, il faut que vous mettiez trois nombres. Donc le premier nombre, ça va être la bannière, donc là Epic Games. Le deuxième nombre, c'est la couleur. Et le troisième nombre, c'est le level. Donc ça l'a rechangé en deux, vu que le nombre est deux. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment mettre une autre bannière que Epic Games. Donc n'hésitez pas à chercher plus tard. Alors ensuite, pour les skins. Non, d'abord ready. Donc point ready. Comme ça. Celui-là, c'est le bot qui me l'a envoyé le message. Ça veut dire qu'il a fait la commande. Mais c'est celui-là. Donc ça le met prêt. Mais vous ne pouvez pas lancer de game. En tout cas, je sais pas si vous pouvez lancer des games, mais j'ai pas envie d'essayer. Parce que voilà, on sait jamais. Point unready pour l'enlever de près. Alors ensuite. On va passer au skin. Point pink ghoul. Donc c'est pour mettre le skin ghoul en rose. Point purple skull pour mettre le skull en violet. Évidemment les skins qui ont plusieurs variantes. Si vous voulez mettre la deuxième variante, la troisième, il faudra marquer point variante, un truc comme ça. Ça, vous trouverez tout dans les commandes de toute manière. Alors, on va passer maintenant au skin leak. Là, j'ai pris le skin leak, voilà. Et voilà, vous voyez, le skin leak. Il y en a plein d'autres, mais voilà, je vais montrer lui. Donc, vous pouvez voir que c'est avec le CID, machin, l'adresse du skin en fait. Pour ceci, je vais vous montrer le site après où il y a tous les skins, pardon, tous les skins avec leur empreinte digitale. On va en prendre un deuxième. J'en ai pris un moche là. Hop. Enfin voilà, en tout cas ça marche avec tous les skins, pas que les leaks. Regardez, je vais en prendre un autre. J'ai pris au hasard, voilà. Donc voilà, ensuite maintenant on va faire les petites emotes, non les sacs à dos d'abord. Hop, j'ai pris un petit sac à dos qui a été leak, voilà, vous pouvez le voir par derrière. Je vais en prendre un deuxième. Hop, voilà, ça c'est le sac à dos doré du skin doré à 2000 V-Bucks. Enfin voilà, ensuite les emotes. Hop, voilà. Point stop, c'est pour enlever l'emote. Enfin voilà, vous pouvez même faire des emotes qui ne sont pas au skin, regardez. Vous voyez, cette emote elle est intégrée à Major Lazer et pourtant, avec le bot, on peut les faire quand même. Donc voilà. Je peux vous montrer quoi d'autre? Les emojis. Enfin, en tout cas, voilà.
C'est. Je peux même mettre. Vous pouvez même faire la danse de la pioche pour mettre n'importe quelle pioche. Enfin voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer le site où il y a tous les empreintes digitales. Mais vous pouvez juste faire point d'exclamation skin, le nom du skin en anglais, point d'exclamation emote, l'emote. Mais moi, malheureusement, je sais pas du tout d'où vient mon bug. Ça doit être mon PC. Mais je peux pas faire ça. Du coup, je dois marquer l'empreinte digitale. Mais honnêtement, je préfère parce que c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Du coup, c'est tout. Je vais vous montrer le site. Et voilà. Toutes les commandes se retrouvent dans le truc commande. Et j'ai fait un tuto pour que vous puissiez l'installer. Donc voilà. Donc voilà le site. Hop. Vous avez tout. Donc skin. Hop. Dans skin, vous avez tous les skins du début qui sont sortis en premier jusqu'au dernier. Donc vous pouvez voir là, on a le Recon Expert, le School, machin, tout ça. Et en dernier, on a les skins qui ont été leaks. Hop, on va descendre. Attendez. Boum, boum, boum. Voilà. Tous les nouveaux skins, ils sont là. Regardez. Hop, les skins leaks, ils arrivent. Hop, voilà, tous les skins leaks sont là. Enfin voilà, c'est dans l'ordre. Pareil pour les emotes, etc. Les sacs, les planeurs, les pioches, les traînées, les emojis, les wraps. Enfin, c'est très très complet. Vous pouvez même trier pour ceux. Donc ça, c'est l'empreinte que vous deviez copier. Vous faites hop, copier. Et vous le mettez dans le chat. Ça, c'est le numéro de je sais pas quoi, mais on s'en fout. Ça, c'est la description et ça, c'est le nom du skin. Donc, si vous voulez un skin en particulier, vous mettez trier de A à Z. Comme ça va vous trier de A à Z. Vous voyez, là, c'est les Z. Et pareil, l'emote, vous faites trier de A à Z, etc. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao!